Ici, vous devez sentir que ça vous tire tout ça. Tout ça, ok? Vous tirez que ça tire dans la hanche. Un, deux, trois et quatre. Je reviens. Je relève la jambe de devant. Le pied d'avant, pardon. Un, deux, trois et quatre. Je reviens. Chaque fois que je reviens sur mon genou d'appui, le genou d'appui, je relève en même temps le pied qui est devant. Et quand je veux poser le pied qui est devant, je fais action sur le genou. Un, deux, trois et quatre. Je reviens. On le force. Vous voyez, c'est une assiette qu'on va utiliser pour allonger un peu, faire le stretching du bassin. Alors, on est dans cette position bien droite. Je le fais latéralement pour que vous voyez la position du corps. Je descends au maximum, les genoux légèrement fléchis. Je descends là, j'arrondis le dos. Et je reviens. Le buste complètement droit. Ici, les bras ne travaillent pas. Ils doivent être complètement droits. Pas fléchis du tout. Okay? Ils accompagnent simplement le mouvement. Allez, on y va encore. Les genoux légèrement fléchis. On doit sentir que les lombaires tirent. Deux. Quatre. Quand vous faites l'effort, il faut toujours expirer par la bouche. Cinq. N'oubliez pas les genoux légèrement fléchis. 6. 7. 8. 9. 10. 1, 2, 3. En tenant le dos bien droit. 4. Collé au mur. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Change les jambes. 1. Le dos bien droit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sur les genoux, je porte les mains en avant. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à arriver dans cette position. Et je reste dans cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens tout doucement dans la position où j'étais. J'arrondis le dos. Comme si je voulais toucher mon genou avec ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.